Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui un petit top 5, je continue ma suite de cette série de top 5 de jeux, de séries et de genres, donc sur Mario Kart. Et oui, donc jeu que tout le monde connaît, hein, tout le monde a connu. Donc voilà. Nous allons commencer avec le numéro 5, mais je vais vous laisser découvrir. Vous allez voir, je sais que certains d'entre vous vont le reconnaître. Alors, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous le reconnaissez? C'est un très très vieux Mario Kart, hein. Allez, je vous donne le nom. Je suis sympa. Donc c'est Super Mario Kart, développé donc par Nintendo et Nintendo EAD en 1992. Donc c'est la sortie, il est sorti en 1992 sur Super Nintendo. Donc ça, ouh, ça date. Avec, donc c'est numéro 5 avec 8,76 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Succès énorme, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc c'est comment dire, c'est un bon chiffre pour un Mario Kart de ce style-là. Moi, j'ai pas eu la chance de jouer, mais bon. Comment dire, vu les graphiques, tout ça, pour l'époque, c'était vraiment pas mal. Donc ça valait vraiment le coup. Ouais, je pense que ça a bien bien fonctionné, c'est grâce à ça, donc c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est un bon Mario Kart, hein, je pense, hein, je sais pas, moi je n'y connais pas sur ce Mario Kart, mais je pense que les connaisseurs s'y connaissent. Donc voilà, en plus ça fait 8,76 millions, c'est vraiment pas mal. Et vous allez voir quand même que ça fait plus que le dernier Mario Kart. Mais ça, je vous laisse l'annoncer à la fin. Alors il y a deux écrans. Alors je suppose que Super Nintendo possédait deux écrans. Bon bah je connaissais même pas la Super Nintendo. En tant que console, je connaissais pas du tout. Je vais vous le dire. Excusez-moi. Donc bah nous allons continuer notre top 5 de ce Mario Kart. Avec notre numéro 3, numéro 4, numéro 4. Et oui, c'est un Mario Kart qui date de pas longtemps. Alors je vous laisse découvrir, hein. Franchement, je veux que vous découvriez. Alors, hop. Alors, niveau graphique, là, on est beaucoup meilleur. On est vraiment beaucoup meilleur. Donc, vous supposez bien sûr que c'est Mario Kart 7. Hein, forcément. Donc, Mario Kart 7 sorti en 2011 sur Nintendo 3DS. Donc, c'était le premier Mario Kart qui proposait donc l'effet 3D. Donc, développé par Retro Studio, je connaissais pas. Avec plus de 9,69 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Le chiffre reste raisonnable, c'est un très très beau chiffre pour un jeu sur portable. Faut le dire, hein, ça reste un très 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 beau chiffre. Maintenant, c'est vrai que moi, j'étais pas trop attiré par la Nintendo 3DS. Mais il serait sorti sur DS, je l'aurais acheté. Malheureusement, il est sorti que sur Nintendo 3DS. Après, je pense que c'était un peu le but, hein. Je pense c'était un petit peu le but. Mais au niveau d'après les vidéos que j'ai vues, et je pense aussi connaisseurs et connaisseuses de la série Mario Kart, je pense que vous avez pas été réellement déçu de ce Mario Kart. En plus, apparemment, comme vous pouvez voir dans la vidéo, dès qu'on tournait la console, on pourrait tourner. Voilà. Je sais pas si ça fonctionnait très bien, mais voilà. Donc mais ça n'a pas été le meilleur. Hein, ça n'a pas été le meilleur, mais pourtant ça a été. C'est pas le plus récent. Vous allez voir, il y en a. Vraiment, je pense qu'ils ont été très déçus pour ce Mario Kart. Bah, passons au suivant. Hein, je pense. Hein, passons au suivant. Il date
date, c'est pas le plus vieux, mais il date pas il y a quand même petite vingtaine d'années. Alors, est-ce que vous vous rappelez? Alors déjà graphiquement on est mieux que Super Mario Kart. Donc c'est déjà pas mal. Non. Alors moi je vais vous aider, bah, c'est Mario Kart 67. Donc sorti en 1996, excusez-moi pour ces bugs-là. Donc développé par Nintendo EAD. Alors, je sais pas la signification de EAD. Faudrait que je cherche, mais je connaissais pas. C'est sorti sur Nintendo 64 et console virtuelle. Console virtuelle, pour moi, ça serait peut-être les bornes arcade, mais je suis pas encore sûr. Nintendo 64, je vois c'est quoi, hein, mais console virtuelle, je sais pas. Et bien sûr, le chiffre, avec 9,87 millions d'exemplaires vendus. C'est vraiment pas mal, hein. Pareil, hein. Surtout pour cette époque-là. Hein. Hein, franchement, Super Mario Kart et Mario Kart 67, ils ont fait des super chiffres pour leur époque. Hein. C'est pour ça que je disais, le dernier, la Mario Kart 7, c'est pas top parce que il fait moins bien qu'un ancien Mario Kart, donc forcément. Mais ça reste pas mal. Ça reste pas mal pour un Mario Kart. Par contre, franchement, là, quand je suis en train de regarder, je suis en train de me dire, c'est, ils sont franchement très beaux les graphiques. J'ai pas joué, hein, j'ai pas joué à ce Mario Kart là, mais il reste très beau graphiquement. Je trouve même qu'on est pas loin de Mario Kart 7. Ouais, non, mais il est très beau graphiquement, donc ouais. Ah, mais en plus, je connais cette map. C'est pas une map de Mario Kart 8? Oui, je veux dire. Oh. Ouais, je crois. J'ai l'impression. Hein. Je suis pas sûr. Bon, là, on a 9,87 hein, millions d'exemplaires. Ouais, bon, ça peut être derrière. Les chiffres que j'ai pris datent jusqu'à 15 janvier 2015. Hein. Bon, je pense pas que ça a trop varié non plus. Hein. Mais voilà. Pour les sûrement les derniers ça a dû varier voilà donc ben pour le suivant ben c'est un Mario Kart que tout le monde a connu dans sa jeunesse en tout cas pour ceux qui sont nés entre 90 et 2000 voire de entre 90 et 2005 tout le monde a connu ce Mario Kart là et oui Mario Kart DS. Donc sur Mario Kart Nintendo DS sorti en 2005, ça me donne un coup de vieux là d'un seul coup. Alors donc sorti sur Nintendo DS, donc développé par Nintendo et Nintendo EAD aussi. Alors écoutez bien le chiffre, hein, on a doublé, voire plus que doublé, 22,92 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Succès énormissime. Je vous le dis, hein, c'est un succès énormissime. C'est énorme, 22 pour un jeu sur console portable. 2005, ça reste une bonne époque du jeu, ça commence à bien se développer. Mais c'est surtout par rapport à la console. Console portable, en général, ça se vend pas énormément. Et 22, franchement, c'est un très beau chiffre. Ça fait presque comme un Call of Duty. Donc c'est énorme. Bon bah passons au top du top des Mario Kart. Au numéro 1. Et tout le monde l'a connu. Et bah oui, vous le voyez. C'est bien sûr Mario Kart. Oui! Sorti en 2008. Pareil, ça me donne aussi un coup de vieux. Sur la Wii. Développé par Nintendo et Nintendo EAD. Avec plus de 34,58 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Énorme succès. Ça a été le plus gros succès pour Nintendo sur cette série de Mario Kart. Et pour moi, ça a été le meilleur des Mario Kart. Ouais. En plus, c'est le premier Mario Kart où on a un vrai volant dans ses mains. Un bon multijoueur. Il y avait tout ce qu'on rêvait.
Alors, quelques petites infos en plus. Bon, le dernier Mario Kart, donc Mario Kart 8, qui est sorti en 2014 sur la Wii U, a fait un échec total. 2,29 millions d'exemplaires vendus. C'est échec total, hein. Je vous le dis. Je pense pas que ça va faire comme Mario Kart 8. Oui. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde! Yahoo!